Voici une tâche sans réponse préformulée. Le code de mon casier est un nombre à trois chiffres, tous impairs et tous différents. Le nombre formé par ces trois chiffres est un multiple de 5, de 7 et de 9. Question, quel est ce code? C'est un code à trois chiffres. Le nombre ainsi obtenu doit être divisible par 5. Et donc, le chiffre des unités doit être égal à 0 ou à 5. Mais 0 n'est pas impair. Donc, la seule possibilité pour le chiffre d'unité, c'est le 5. Pour le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines, voici les possibilités qui restent. Le 5 étant exclu parce qu'il est déjà là. Regardons si le chiffre des centaines vaut 1. La première possibilité, c'est 135. Mais 135 n'est pas divisible par 7. La possibilité suivante, ça serait 175. Mais 175 n'est pas divisible par 9. Possibilité suivante, 195. Mais 195 n'est pas divisible par 7. Et par conséquent, le chiffre des centaines ne peut pas être égal à 1. Alors, essayons 3. La première possibilité correspondante, c'est 315. Et justement, ce 315 vérifie toutes les conditions imposées. Par conséquent, nous avons déjà terminé car nous avons trouvé cette réponse finale, 315. La tâche suivante sera résolue dans le tutoriel suivant.